Travailler sa relation à soi pour avoir attiré des relations saines et équilibrées, c'est quand même un peu notre objectif, hein. C'est ce qu'on veut tous faire et mettre en pratique, mais il faut déjà avoir une relation saine et équilibrée par rapport à soi. Il faut déjà être en équilibre par rapport à soi. Donc le travail commence par là, et donc c'est à toi de nous faire bosser là-dessus. J'ai vu qu'il y en a qui se sont vite installés. J'ai pas fait mon devoir. Je vous ai vu, c'est noté dans mon calepin. On réglera ça après. Now I'm vous ralentissez tout le monde. Allez, un peu de bonne volonté là. Allez. Tu vas voir qu'après deux bouteilles de Porto, ça va aller mieux. C'est l'heure de la sieste, donc maintenant je vais aller dormir parce que la nuit je dors pas. Parce que Michel, quand il se retourne, il me met des claques. La nuit, ça me réveille toutes les 5 minutes. Dès qu'il se retourne. Bon, allez, ça suffit, je vais censurer tout ça. Je te prends dans la chambre 103, donc on est ensemble. Mais venir, hein. J'ai vu mieux que toi en fait. Tu n'es plus la seule alternative, il y a d'autres alternatives. C'est ma vidéo, comment tu fais pour rentrer dedans? Mais c'est quoi ce bordel? Et merde! Comment on a fait ça? Putain, mais comment? Me faire Michel Poulard, c'est moi dans cet endroit magique. La place de Salamanque. Et oui, c'est moi, je ne suis pas Michel Poulard, mais je suis bien Cathy. William, nous sommes là à Salamanque, regarde comme c'est beau, est-ce que tu trouves que c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique.
C'est beau en plus. C'est beau, magnifique. Hein. Ouais. C'est magnifique. Là, je les regarde, et c'est rose. Enfin, ici, on ne le voit pas parce qu'on a le soleil, mais comme ça, regarde. Ouais. On a du bol, la plus belle cité universitaire. Tu as un petit mot à rajouter, William? On passe des moments exceptionnels et la vie est... Top. Alors, ce qui se passe ici est très intéressant, mesdames et messieurs. C'est qu'on est plusieurs personnes à être sur au même endroit et on a tous une interprétation différente de ce qui se pourrait se passer. Voilà, dans la vie, c'est pareil. On est dans un même endroit et on a chacun une interprétation et on se dit, tiens, on va nous tirer dessus. Ou d'autres disent, mais non, on peut y aller. Tiens, non, on va se faire mordre par un chien. Voilà, exactement. En attendant, on est tous là et on donne tous une interprétation différente de... Il y a deux personnes là-bas dans les vignes. On voit que leur derrière, leur arrière-train... Je sais pas ce qu'elles font. C'est deux femmes apparemment. Et j'ai peur qu'elles soient. Non, je pense qu'ils coupent. Là, non, parce que là, c'est le ils sont en train de couper les sarments. Alors, tu t'étais imaginé que ce serait aussi chouette cette croisière? Ouais, attends, on n'est pas encore arrivé. Il est prudent. Et moi, je vais te dire un truc, c'est qu'avec le berger allemand qui est sur la photo à l'entrée sur la portail, je préfère rester avec toi, bien contre toi. Parce que si jamais il doit mordre une fesse, la tienne sera certainement beaucoup plus appétissante. C'est cela, oui. Mais ils aiment les os, les chiens, n'oublie pas. Hein. Merci, je te remercie. Les os. Ah ben bravo. Ah ben écoute, hein, chacun pour soi. Hein. Nous, être gentils, nous apporter perles de couleur. Nous sommes venus en paix. Pace, pice. En paix, P-E-T. Pice, ça veut dire mord-moi. La vie ressemble parfois à une balade en montagne. Ça monte, c'est dur, et dans la difficulté, on peut éprouver de la douleur, peut-être de la souffrance. Oui, parce que la douleur, c'est pas de la souffrance, on pourra en reparler une autre fois. Et parfois, dans la douleur, eh bien, on ne fait qu'une chose, c'est se concentrer sur là où on met les pieds. Donc on ne regarde qu'une distance courte. Nos pieds, et peut-être un mètre avant, pas plus. Puis on grimpe, on est fatigué. On manque d'eau peut-être aussi, on est épuisé, ça commence à faire mal. Et puis la récompense, c'est d'arriver au sommet et puis de contempler le paysage, la récompense. Et parfois quand on monte, on ne se rend pas compte qu'on est en train d'avancer. Il est parfois bon de se retourner pour voir le trajet qu'on a déjà parcouru. Ça motive, ça encourage. On se dit, ah, j'ai quand même déjà fait ça, j'ai parcouru toute cette distance. C'est extraordinaire et ça nous permet de nous encourager. N'abandonnez pas. La montée peut être rude, mais la récompense est toujours là, à la clé, même si on ne la voit pas. Et si dans les moments de douleur, on ne regarde que juste devant nos pieds, parce qu'on n'a pas la force de regarder ailleurs, ce qui compte, c'est de continuer à avancer, encore et encore. Quand on monte, ça nous permet également de prendre de la hauteur. Vous connaissez l'expression, prendre de la hauteur, et ça nous donne une perspective. Et on voit les choses différemment que quand on est en bas, on prend de la hauteur, on ne voit pas les mêmes choses. On peut mieux appréhender le problème, vu sous un autre angle. Et parfois, on dépasse des gens sur le chemin, comme là. Ta-ta. Là, par exemple, je te parle d'une perspective, pourtant du même endroit. Et là, maintenant, d'une autre. Et pourtant, je suis toujours au même endroit. Prends de la hauteur quand les choses te paraissent difficiles. Prends de la hauteur, prends le temps d'observer. Prends le temps, tout simplement, de t'arrêter et d'analyser le problème sur vraiment toutes ses coutures. Tu risques d'être surpris.